C'est deux amis, c'est Archi. Comment ça va aujourd'hui On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer comment terminer les quêtes donc de la Médaille du Survivant. Donc c'est le nouveau livre de quêtes qui est arrivé sur Fortnite et on va devoir donc faire certaines choses pour terminer toutes les quêtes là. Vous allez voir donc regardez ici Médaille du Survivant. On a différentes choses à réaliser pour récupérer un maximum de récompenses. Je vais vous expliquer exactement comment ça marche, comment ça se passe également pour que de votre côté également vous puissiez finir toutes ces quêtes là et ainsi récupérer le maximum de récompenses. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur Fortnite et de guides surtout également qui vont arriver par rapport à cette nouvelle saison Vous avez aussi le compte TikTok en description, n'hésitez pas à aller checker ça Donc on va directement spawn à un emplacement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe Regardez ici à droite on a médaille de survivant typique 10 Parce qu'en fait il y a différents types de, euh, de niveaux en fait, on va les appeler comme ça les niveaux de médaille de survivant Et donc là je suis au niveau 10 et on va pouvoir monter jusqu'au niveau 1 littéralement Et donc le niveau 1 c'est le dernier icône qui est, euh, ça bug un petit peu ça bug un petit peu. Ok, le, le dernier niveau, c'est le niveau 1 qui est tout en, en à droite, en plus gros. Et en, ainsi faudra l'atteindre. Comment on va faire pour l'atteindre C'est très simple. En fait, on a différentes missions à réaliser. Et les missions se débloquent au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on va devoir absolument réaliser les quêtes précédentes pour passer à celles d'après directement. Donc regardez, ici on va hop la regarder. La première quête, c'est quoi Donc c'est d'atteindre le niveau euh, atteindre 50 joueurs restants avec une élimination. Donc on va devoir absolument réaliser une élimination avant le top 5. 50, sinon, en fait, on ne pourra pas réaliser la quête. Alors, attendez, il y a un petit bug de. Dès de... maintenant, c'est bon, c'est réglé. Maintenant, on n'a plus besoin de faire des, des kills. Qu'est-ce que je branle sur moi de là. On n'a plus besoin de faire de kills maintenant. On va juste avoir besoin d'atteindre le top 50. En fait, atteindre 50 joueurs pour pouvoir terminer cette fameuse première mission. faut survivre, bien évidemment. Mais en soit ça, ça va pas être si compliqué que ça. Donc voilà, maintenant on a fait notre, première, euh, notre premier objectif de faire une élimination. Et maintenant, attendez, regardez, on va se mettre en lieu sûr parce qu'il y a quand même pas mal de personnes ici. Et maintenant, regardez, atteindre 50 joueurs restants avec une élimination. Donc maintenant, on a eu l'élimination. Alors, est-ce que ça fonctionne quand on a deux éliminations Je ne sais pas. Et pour l'instant, on va devoir attendre obligatoirement donc le top 50. Pour pouvoir réussir. Enfin, pour pouvoir réussir la fameuse première étape. Bien évidemment, on a différentes étapes. On a une dizaine normalement vu qu'on a 10 niveaux à monter. Pour ainsi terminer euh, cette fameuse euh, mission là, cette fameuse ré et récupérer un maximum de récompenses. Alors attendez, hop là, on va remonter un petit peu, on sera au niveau, enfin au top 50. Ok, les amis, on y arrive donc, comme vous pouvez le voir, on est à 51, euh, 51 joueurs restants, donc on a une élimination. On va attendre donc les quelques secondes qui vont. Voilà, on est donc dans le top 49 maintenant. Là, on est à une élimination dans le top 50. Et regardez ici en haut à gauche, là, la mission va donc s'accomplir, euh, terminer la partie pour améliorer la médaille survivante. Donc maintenant, faut terminer la partie. Et pas terminé dans le et pas terminé la game dès maintenant. Il va falloir donc on va se suicider pour checker. Hop là, on termine la partie. Et maintenant, regardez pas l'intérieur en fait. On est c'est des grades, c'est littéralement des grades. Et il faut monter de grade en grade pour atteindre donc les, euh, les différents euh, les différents grades, hein, donc les différentes médailles de survivants. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va pouvoir avoir 10 améliorations et on va pouvoir donc automatiquement récupérer comme dit les grades qui vont donc de typique jusqu'à mythique pour récupérer donc ce fameux euh, lama mythique. On va devoir réaliser à chaque fois les différentes quêtes qui sont disponibles à l'intérieur d'un grade, grade spécifique. Par exemple, à l'intérieur de typique on a par exemple terminé dans le top 50 avec une élimination, on termine dans le top 25 avec une élimination, jusqu'au top 1 avec une élimination, et ensuite au fur et à mesure qu'on avance donc dans les DM. Dans les différentes quêtes, on va avoir des quêtes un peu plus compliquées en soi et qui vont demander de jouer pas mal. Par contre, par contre ça c'est vraiment très important, c'est qu'on va devoir faire pas mal de games puisque chaque euh, médaille nous perd, enfin, chaque quête nous demande en fait de faire une partie. Et donc, moi, ce que je vous conseille au maximum, c'est pour pouvoir récupérer le lama mythique avec sur le dos de trophée lama mythique assez facilement et rapidement, c'est de faire la partie, de faire la quête qu'ils ont demandé, de quitter la partie et de relancer une nouvelle partie parce qu'au moins, parce qu'en fait, une quête se reset uniquement euh, et surtout s'active et s'accomplit. Donc en attendant la médaille typique 1, vous déverrouillerez l'accento trophée du lama. Donc ça veut dire que on commence avec le premier trophée quand on a atteint le mode chipique. Donc ça sera le premier lama. Et ensuite au fur et à mesure que l'on va avancer dans les différents grades, on va débloquer au fur et à mesure la couleur en, en rapport. Atypique c'est vert, rare c'est bleu, épique c'est violet, légendaire c'est donc orange, euh, exotique c'est bleu turquoise, et on termine avec du mythique qui est donc ici en or et ce seront vraiment toutes les récompenses que l'on pourra récupérer et c'est également comme ça qu'on va pouvoir récupérer. Le lama mythique, c'est uniquement en montant au grade mythique des médailles du survivant que l'on pourra donc ça veut dire au dernier grade. Quand vous voyez ici les icônes à droite, il faudra monter au maximum tout à droite, au dernier icône, et ensuite vous pourrez automatiquement donc récupérer votre fameux lama mythique qui est donc la récompense ultime de ce fameux événement là. C'est pas compliqué en réalité à faire, ça prend juste un petit peu de temps, mais en soi, c'est quand même un sur le dos gratuit. Le lama mythique que vous pouvez dès maintenant récupérer gratuitement, et bien évidemment, chaque lama que vous voudrez récupérer sera en rapport et en relation directe avec donc son grade que vous devrez également atteindre pour ensuite pouvoir récupérer sa récompense Donc il faudra faire à chaque fois une dizaine de quêtes par, euh, par grade Et ensuite quand vous aurez réalisé toutes les quêtes à la fin du grade vous, vous enfin, quand, Avant de passer au prochain grade vous récupérez Enfin en passant plutôt au prochain grade vous récupérez également la récompense en question Qui est donc là, vous récupérez la récompense du grade que vous, dans lequel vous Augmente automatiquement Maintenant on est au niveau euh, typique 9 Donc maintenant atteindre 45 joueurs avec une élimination Et en fait on aura ça au fur et à mesure Donc maintenant regardez au niveau de mon niveau, je suis tout au niveau typique, euh, le typique 10 il est passé, et maintenant je vais devoir monter déjà 10 niveaux de, de médailles. je vais devoir atteindre la médaille au palier euh, typique euh, 10 pour pouvoir atteindre et récupérer les récompenses au-dessus. Mais en soi, regardez, il faudra absolument qu'on monte d'étape en étape de, de médaille au palier 10, typique, donc jusqu'à 1 qui est ici. Et en fait, le normalement, le dernier, la dernière médaille, le dernier palier nous demandera de faire un top 1 avec potentiellement une élimination au minimum. Et ce sera beaucoup enfin fait, ce sera assez simple en réalité mais en soit voilà. là maintenant on est au top 45 euh, si je fais un calcul 45 40 35 30 euh, 25 20 euh, 15 10 et euh, ouais c'est ça hein. c'est donc le dernier palier nous amènera donc à faire un top 1 pour pouvoir récupérer le dernier la dernière médaille au palier typique 1 et ainsi récupérer la récompense A chaque fois on va devoir en fait augmenter notre top et ainsi quand on atteint en fait ça va nous faire jouer beaucoup de games et aussi surtout ça va nous permettre à la fin d'arriver jusqu'au top 1 donc en soit ce ne sont pas des missions très compliquées ce sont vraiment des missions Extrêmement simple, mais qui demande un petit peu de temps et qui demande surtout de jouer au moins 10 parties minimum si on arrive à faire le top 1 dès le début, au maximum plusieurs parties si on n'arrive pas à faire les missions aussi vite. Vous voyez que en plus c'est en, 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 en plein lien directement avec, donc le, avec le, cadre, le, le le boss en fait de la de la saison. Donc ici on va avoir énormément de médaillons à récupérer. On a en fait une sorte de, de palier sur 10 paliers mais du, du premier niveau. Ensuite, on va faire 10 paliers du deuxième niveau. Et ainsi de suite, en fait, parce que là on est uniquement sur le palier du euh, sur le palier 1 là à droite sur les médailles du survivant on est à typique 9 mais typique 9 du euh, de l'argent on va dire là après on va, quand on aura atteint le top 1 ici du typique du médaille au palier typique 1 on va atteindre en fait le prochain palier qui sera le vert et en fait ainsi de suite plus on va monter en fait ça sera à chaque fois euh, faire euh, les 10 paliers les, les 10 paliers de typique de ne, de 10 à 1 sur chaque icône ça veut dire que là on est en train ouais que la barre a avancé pas beaucoup ça veut dire qu'en fait on est sur la Première étape de ce premier icône là. Ensuite, dès qu'on aura terminé les 10 paliers, les 10, mé les 10 médailles au palier typique 1, on sera, on l'aura atteint. On passera au vert et ainsi de suite. Et c'est vrai que là, actuellement, on a que la récompense grise qui est dans la récompense euh, au-dessus parce qu'en fait, on va débloquer la première récompense. Ensuite, on devra refaire encore accomplir toutes les quêtes typiques pour recevoir... Enfin, les quêtes, peut-être, elles vont plus être typiques, mais atypiques potentiellement. Et on va monter au fur et à mesure jusqu'aux quêtes, on va dire ultime, qui sera donc le, le palier mythique 1 tout à droite. Et là, ça sera un peu plus compliqué. Ça demandera potentiellement de faire... J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira sur cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours. On joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description, mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.